Monsieur, monsieur, est-ce que ça vous dit quelque chose, l'anthropose? On est supposé d'avoir ça, nous autres les hommes, l'anthropose. L'anthropose? Non. Je connais la ménopause pour les femmes, mais pour les hommes, je sais pas. Oui, mais dis donc. Mais j'ai pas ça, malheureusement. Ouais, juste 40, là, c'est encore loin, non? Ben, je sais que c'est une maladie pour les personnes d'un petit peu plus vieux que moi. Je suis pas en anthropose. Non, pas mon âge. Oui, c'est quand les hormones commencent à se dérégler un peu. Là. Les hormones, ça commence à ralentir. On n'en parle pas bien, si on parle surtout de la ménopause, pas de l'anthropose. Mais pourquoi? Je sais pas. L'andropause. C'est un sujet gênant, parfois même honteux pour bien des hommes. Après 40 ans, nombreux sont ceux qui souffrent de bouffées de chaleur, d'irritabilité, de fatigue. Et tout ça serait dû à un manque de testostérone, l'hormone mâle par excellence. Vous êtes sceptique, hein? Vous croyez que l'andropause n'est qu'une invention de la médecine moderne? Eh bien, vous risquez d'être surpris. Je connaissais la ménopause pour les femmes. J'avais aucune idée que ça pouvait avoir un équivalent pour les hommes. J'ai jamais entendu mon père ou mes oncles parler d'andropause. C'est pas un sujet de conversation chez les hommes. Je comprends pas que le sujet soit tabou. Je viens de ça vers 52, 53, 54. Et puis, je dirais que 58, 60, j'étais en plein albin. C'est sûr que pour moi, c'est arrivé plus tôt, mais je suis sûrement pas le seul non plus. J'avais 47 ans. À un moment donné, dans ta vie, après 55 ans, là, tu es fatigué, tu es irritable. Ma conjointe a dit, pour moi, tu fais une ménopause au masculin. Ben, j'étais malade. C'est vrai que l'andropause est plutôt un sujet tabou parce que je pense que c'est quelque chose dont les hommes ont la difficulté à parler et à discuter avec leur entourage ou leur médecin de famille parce que, bon, ça touche des choses quand même assez personnelles. Il y a un regroupement de plusieurs organismes américains et européens, d'urologues, d'endocrinologues et aussi des organismes qui ont un intérêt pour l'andropause, qui reconnaissent l'andropause et reconnaissent la nécessité d'une intervention quand on le diagnostique. Clinique d'andropause de Québec. Les hommes vont s'asseoir plus loin. Ils ne vont pas s'asseoir à côté du bureau identifié de la Clinique d'andropause de Québec. Alors ça, c'est important de saisir que tranquillement, les hommes, il ne faut pas que ça paraisse, parce que ça semble toujours encore que si tu consultes un andropause, c'est un problème d'érection. Ça touche le cœur de ce qu'est un homme, en fait. L'andropause veut dire qu'il y a une diminution de production de testostérone et on attribue beaucoup la testostérone à ce qu'est un homme, en fait. Donc, si on dit qu'un homme en manque, c'est un peu comme s'il perdait de sa virilité, comme s'il perdait de ce qui fait son essence. Mais il faut combattre ce tabou-là parce qu'en fait, l'andropause, c'est simplement le vieillissement des testicules, comme la ménopause, c'est le vieillissement, finalement, des ovaires. On va aussi associer le manque de testostérone à l'orientation sexuelle. Donc, ça n'a aucun lien avec l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, on est avec, on ne le choisit pas. Donc, qu'on soit gay, bi ou hétérosexuel. Donc, mais il y a beaucoup de tabous face à ça. Comme je dis toujours, si vous voulez savoir si votre homme est andropausé, si vous lui demandez, viens-tu au cinéma, puis il dit, bof! On sort-tu? Wouf! Mais si votre mari y jappe, c'est qu'il est en andropause. Avant, on sortait, on venait sur le canal le soir, on jouait au golf, des fois, un petit par-trois avec ma conjointe. Et puis là, ça tente, il n'y a plus rien qui te tente. Ça ne tente pas, tu as moins d'énergie. Puis tu mets ça sur le dos de l'ouvrage. Tu mets ça, trop d'ouvrage, trop de stress, trop de ci, trop de ça. Mais tu ne penses pas à ce phénomène-là qui l'andropause. Le premier symptôme que j'ai eu, moi, je m'en suis aperçu surtout à cause de ma peau, parce que j'ai une peau sèche. J'ai un problème qui s'appelle l'ichtyose, qui fait que j'ai déjà une peau très sèche. Là, à un moment donné, elle est devenue de plus en plus sèche, puis j'ai eu des gros problèmes à cause de ça.
Donc, ma femme m'a parlé à un moment donné qu'elle, lorsque ses hormones changeaient une fois par mois, que sa peau devenait plus sèche, que ça pouvait être un problème d'hormones. C'est là que j'ai commencé à faire de la recherche sur Internet pour voir c'était quoi les causes, c'était quoi l'andropause. Là, j'ai vu les symptômes, fait que j'ai reconnu les symptômes que j'avais, dont la peau sèche, un peu plus sèche, la fatigue, être déprimé. J'avais l'impression de faire un burn-out. Des palpitations, se réveiller dans la nuit avec transpirer, être tout tremble, ce qui m'arrivait jamais non plus. Puis en dernier, c'est ça, j'avais envie de dormir tout le temps, je cognais des clous, j'avais de la misère à travailler. J'ai même été obligé d'arrêter de travailler, j'ai perdu mon emploi à cause de ça. J'ai perdu mon emploi, c'est sûr que la cause, bon, ils vont pas nécessairement te dire que c'est à cause de ça. Donc, c'est certain qu'on me disait, ben là, tu commences, les gens commencent à t'inquiéter, ils vont te promener dans le couloir, t'as l'air malade, t'es fatigué. Donc, c'était évident que j'étais plus capable de faire le travail que j'avais à faire. Donc, je travaillais comme administrateur réseau, c'est beaucoup de stress. Il faut être toujours disponible. Puis, un des symptômes, c'est que je m'endormais beaucoup, donc j'avais une fatigue extrême, donc j'avais vraiment de la difficulté à faire mon travail. Ça a commencé le soir en écoutant la télévision. T'as chaud, le dessous des bras mouillés, le cou mouillé, les cheveux trempent. Ça a commencé comme ça. Les hommes qu'on rencontre ici ont plus de 45 ans. Le plus jeune qu'on a eu à la clinique a 37 ans. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est un homme fatigué. Doc, là, puis là, il vous regarde, puis il a un regard, là, triste. Mais c'est pas une dépression, parce qu'évidemment, notre diagnostic différentiel, le plus près, c'est la dépression. Donc, cet homme-là va vous voir, mais tu sais, on sent qu'il est pas bien. L'autre qui vient vous voir dans le repos, lui, il est fatigué. Une autre porte d'entrée, il peut venir me voir, dire j'ai chaud. Des hommes ont chaud. Il y a des hommes qui changent leur chemise deux fois dans la journée. Ou la nuit, je me réveille, j'ai des bouffées de chaleur, comme les femmes. Puis les hommes vont nous dire, là, je mets mon drap, là, je le mets. Puis je mets une serviette par-dessus. Parce que quand je vais être mouillé cette nuit, je jette la serviette à terre, puis je continue à dormir. On va retrouver aussi un homme qui a mal de temps en temps aux articulations, donc il est moins résistant. C'est-à-dire que l'hiver, il va pelleter un petit peu, il a mal au coude. Il fait une petite marche, il a mal au genou. Et ça, c'est le rôle de la testostérone sous la lubrification. Je manque d'huile dans les articulations, vous entendez ça souvent. C'est une image qui décrit bien la situation. Ajoutons à ça la perte du tonus musculaire, la perte de la masse musculaire, la perte de la force ou la diminution de la force musculaire. Puis il y a les symptômes sexuels, évidemment, parce qu'il va y avoir la perte du désir qui est due à une baisse de la testostérone, mais est due aussi à la fatigue. Le désir baissant, les performances, évidemment, vont être un peu plus à la baisse également. Si au niveau sexuel, ses performances diminuent, et surtout chez les hommes qui associent leur virilité à leur performance sexuelle, c'est sûr et certain que quand ils commencent à sentir une baisse, ils paniquent. Et la panique accentue les symptômes, surtout psychologiques, de l'andropause. J'avais aucun problème érectile, ça, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment la libido, là, où c'était complètement à zéro. C'est important, sauf que quand tu es malade, tu ne penses pas à ça. Donc, la libido, c'est certain que c'est important quand on est en santé puis qu'on sent que notre libido baisse. Ça peut être inquiétant, mais moi, ma priorité, ce qui m'inquiétait le plus, c'était vraiment ma santé puis d'arrêter d'avoir mal. Donc, je pensais même pas à le côté libido. Ça, c'était pour plus tard, quand j'allais être mieux. Ça devait être difficile aussi pour ma femme. Elle essayait de m'encourager, elle essayait de me soutenir, elle essayait de trouver aussi une solution. Les enfants aussi, c'est pareil. J'étais plus absent, j'étais moins avec eux autres. J'avais pas le goût d'être avec le monde autour de moi. Mes amis, c'est pareil. Quand je me sens pas bien, je me retire. J'ai tendance à me retirer, donc je m'isolais un peu plus là, du reste de la famille puis de mes amis aussi. Souvent, je pense que le principal déclencheur qui fait que les hommes viennent nous voir, c'est la baisse d'énergie. Ils se sentent plus fatigués. Le côté sexuel est important, mais moi, c'est pas la première raison pour laquelle les hommes viennent, contrairement à ce qu'on pourrait penser au niveau média, hein, parce qu'on pense toujours que les hommes, il y a que le sexe qui les intéresse. C'est pas du tout vrai. Je pense qu'il faut dépasser ça. Les hommes, ce qu'ils ont besoin, c'est un peu comme les femmes, c'est-à-dire de se réaliser, d'être aimé. Oui, la sexualité, c'est important, mais moi, c'est pas la première chose que les hommes viennent me voir.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le type d'homme qu'on retrouve ici. J'ai plusieurs comédiens, j'ai plusieurs médecins, plusieurs avocats, puis les gens d'affaires. Les gens qui fonctionnent dans la société à 200 000 $. Parce qu'il faut se rappeler que la testostérone, c'est une hormone de drive. C'est une hormone qui fait faire de l'action, qui fait entreprendre autant des actions au travail que des actions sexuelles. Peu importe, c'est une hormone qui met en action, qui est le moteur, si on veut, en soi. Et ce qui est fort intéressant, j'ai une histoire, à un moment donné, d'un homme d'affaires bien connu de la région, on le voyait pratiquement plus. À un moment donné, là, il vendait son plan d'affaires et ainsi de suite. Et là, une fois traité, parce qu'il l'a finalement, il l'avait vendu avant de venir nous voir, il est reparti un homme qui a le sens des affaires, il va partir d'autre chose. Là, il est reparti en affaires en soi. Donc, quand on touche les bonnes cibles à ce moment-là et que le traitement est efficace, vous allez avoir un homme qui reprend goût à la vie, alors que ces hommes-là, normalement, avant, ben, prenaient leur retraite, puis ils se s'éteignaient tranquillement. Si je prends un gars de la construction qui travaille dans le froid, dans la chaleur l'été, puis qui travaille dur physiquement, ils ont de l'andropause, mais c'est plus difficile d'identifier les symptômes à cause de la condition difficile de travail où ils sont. Quand vous travaillez à 30 sous zéro, là, on joue un peu le fanfaron, bon, je suis fort, mais j'ai pas de problème, moi. J'ai un contremaître qui m'a dit je me suis fait rétrograder au niveau de simple employé, ben j'avais plus l'énergie pour surveiller. J'ai vu des couples être sur le point de divorcer. L'homme est entreposé, la femme est ménopausée, là, les deux se crêpent le chignon, les deux sont impatients, les deux ont des troubles d'humeur. On s'attend, on se calme un peu. On va essayer de faire du ménage. Peut-être vous allez vous chicaner après, puis vous allez vous divorcer. Au moins, ça sera pour la bonne raison. Ça ne sera pas à cause d'un problème hormonal. Je dirais qu'on est un peu chez les hommes à l'Antiquité. Comparativement aux les femmes ou la ménopause, je dirais qu'on est au Moyen Âge. L'andropause vient sur le sujet à un moment donné avec des personnes qui sont peut-être concernées aussi. Et puis, ah, toi aussi, t'as ça, puis ben moi aussi. Puis, on pense pas parce que on sait que chez la femme, ça fait plusieurs générations. Donc, ils ont des médicaments. Mais pour les hommes, on ne sait pas s'il y a des médicaments ou des médecins pour ça. Ce qui est difficile avec l'andropause, c'est quelque chose de nouveau, qui est reconnu seulement depuis 1998 par l'OMS, là, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Je dirais qu'on est un peu chez les hommes à l'Antiquité. Comparativement aux les femmes ou la ménopause, je dirais qu'on est au Moyen Âge. Donc, on est encore dans nos premiers balbutiements. L'andropause existe, mais elle existe depuis peu de temps pour une raison très simple. C'est qu'en 1900, l'espérance de vie des hommes était de 49 ans seulement, en 1900. En l'espace d'un siècle, on a gagné 30 ans. On part de loin. La première conférence que j'ai donnée sur ménopause, andropause, les conjointes invitées, les femmes, ont écouté les deux conférences. Et les hommes ont passé en majeure partie la soirée au bar. Donc ça, c'était, on est en 93, on préparait tranquillement le terrain. Donc les hommes étaient à peu près à dire, l'andropause, c'est pas ça, j'y crois pas, puis les médecins encore moins. Je pense que ce qui est le problématique, c'est ce que les gens font dans leur cabinet. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de médecins qui ne vont pas considérer l'andropause, ne vont pas questionner là-dessus, ne vont pas le dépister. Puis si leur patient approche le sujet, vont un peu l'esquiver parce que, dans le fond, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Donc, écoutez, moi, j'ai déjà parlé à un médecin de mes problèmes, justement, de fatigue. Je dormais mal la nuit. J'avais des bouffées de chaleur. Mais regarde, tu es en santé, tu n'as rien. Regarde, tu vieillis, simplement. L'andropause, c'est pas connu. Donc, surtout, les hommes ne connaissent pas ça. Puis, ils ne connaissent pas non plus c'est quoi les symptômes. Donc, c'est assez dur de savoir que c'est ça. Les médecins, c'est la même chose. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont traiter plus les symptômes un à un sans essayer de voir la cause. Puis, avec le recul, ce que je trouve dommage, c'est ça, c'est d'avoir passé un an à souffrir parce que j'avais vraiment mal, autant mentalement que physiquement. J'essayais de voir des médecins, puis c'est assez compliqué. À ce moment-là, j'avais pas de médecin de famille. Fait que je suis même allé à l'urgence, mais comme c'était pas urgent, j'ai jamais passé. Ça faisait 14 heures que j'étais là, puis je savais que j'allais jamais passer parce que j'étais pas en danger de mort. Là. Mon dermatologue m'a dit que, bon, c'était normal qu'en vieillissant, que ma peau devienne de plus en plus sèche. Sauf que moi, ce que j'aurais aimé, c'est justement de vérifier pourquoi que tout d'un coup, j'ai des problèmes. Donc, pour moi, c'était certain qu'il y avait quelque chose dans mon corps qui se passait. Je me sentais seul puis démuni, je savais pas quoi faire, puis j'étais... J'avais l'impression que ça finirait jamais. C'est sûr qu'avec le recul, je vois que j'ai passé un an à souffrir pour rien, parce que quand j'ai commencé le traitement, ça a pris quelques jours.
le médecin fait face à une problématique, c'est d'y croire ou de ne pas y croire. Et dans ce sens-là, lorsqu'il rencontre un patient, s'il ne croit pas, bien, le patient peut avoir des problèmes. Lorsque les symptômes arrivent, ça peut être confondant. Est-ce que c'est une fatigue, je travaille trop, est-ce que, je vieillis? Souvent, les médecins vont avoir tendance, malheureusement, peut-être voir ça comme une dépression. Moi, j'ai, par exemple, des patients déprimés qui ont été suivis pour dépression pendant longtemps, qui, à un moment donné, le médecin de famille décide de vérifier les niveaux de testostérone. Et là, finalement, on me réfère le patient. C'était un manque de testostérone pendant plusieurs années qui a causé ça. On évalue que 50 à 70 % des hommes de plus de 50 ans auraient suffisamment de symptômes pour justifier un traitement. Malheureusement, uniquement 5 % de ce pourcentage-là reçoit le traitement. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais ça s'explique bien parce que c'est un problème associé au vieillissement. Moi, un médecin qui dit que ça n'existe pas, c'était bien chanceux de ne pas vieillir, là, mais tu vas être seul probablement à avoir le pas dans l'armée. Quand vous allez dans les colloques internationaux, les médecins parlent de ça comme s'ils parlaient de la température. Donc, pour eux autres, c'est correct. En Europe, entre autres, surtout. En Asie, en Malaisie, le concept d'andropause est extrêmement développé. Donc ici, on est vraiment à l'âge de pierre, mais mondialement, on est beaucoup plus avancé que ça. Il y a une étude qu'on nomme l'étude IM. Et cette étude-là a évalué le pourcentage. On est à 3,7 % seulement des hommes qui sont traités en Amérique du Nord. En Europe, on peut aller facilement à 25-30 %. Donc, on a encore énormément de développement à faire dans le domaine comme tel. Donc, on voit qu'il y a 96 % et plus d'hommes qui ont des symptômes et qui ne sont pas traités. Il y a aussi une publication de la Société américaine d'endocrinologie en 2010. Donc, vraiment des organismes prestigieux, reconnus, internationaux, reconnaissent l'andropause et reconnaissent la nécessité d'une intervention quand on le diagnostique. Un homme qui accepte qu'il puisse avoir le problème, qui consulte, qui reçoit un confort de son traitement, va souvent parler à son travail. Parce que des gars, ça ne monte pas aux barricades, mais ça se parle entre eux autres. Et que ce soit en jouant au hockey ou que ce soit dans des clubs sportifs, autrement, ou en prenant une bière, ils vont s'en parler. Puis moi, j'en vois des hommes, mais j'en vois beaucoup qui sont référés par des patients aussi. Bonjour, M. Geoffrion. Ça va bien? Ah, ça va bien, oui. On ne fait plus affaire aux mêmes hommes que nos pères ou nos grands-pères. On est confronté à une nouvelle génération d'hommes avec les baby boomers. Moi, j'ai des hommes qui veulent prendre soin de leur santé. C'est des hommes qui veulent bien vieillir. Ils sont beaucoup plus ouverts aussi. Puis, ils raisonnent. C'est des hommes intelligents, puis qui veulent bien vieillir, finalement. Mon père a toujours été actif, il est décédé aujourd'hui, mais il était bougonneux, là, puis il disait, ouais, moi, j'aurais pas son caractère, j'espère. Mais là, ça l'a joué sur mon caractère. Là, je suis encore bougonneux, mais beaucoup moins. C'est facile, plus facile à vivre, là, tu sais. J'ai des patients qui me comptent des histoires pour que j'oublie des histoires drôles, pour que j'oublie le toucher rectal. Quand ils viennent vous voir, ils vous regardent la grosseur des doigts. Il y a tout un mythe autour du toucher rectal. Les hommes n'aiment pas ça. Alors, ça fait, je pense, quelque chose comme 3 mois qu'on ne s'est pas vu, là. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait augmenté la dose là, de votre androgel que vous prenez. On avait augmenté là, de 5 grammes par jour à 7,5 grammes par jour. Comment ça va depuis ce temps-là? Ça faisait plusieurs années que je travaillais dans l'alimentation. Puis, il y a peut-être un peu d'écœurement, mais beaucoup de fatigue à la fin. Ce qui a fait que j'ai arrêté à 60. Quand j'ai arrêté de travailler, je commençais depuis quelques années à avoir des problèmes de fatigue, de misère à finir mes journées, parce que je vivais des chaleurs. Peut-être qu'on peut aller traîner. On va traîner là-bas. Le soir, j'avais pas de possibilité de faire des travaux en entour de la maison parce que j'étais épuisé ou trop fatigué pour le faire. J'avais pas le goût de les faire non plus. Puis, tous ces symptômes-là que j'ai donnés au médecin quand je l'ai rencontré a fait qu'elle a détecté que c'était une possibilité d'andropause. Puis elle m'a référé au docteur Bergeron.
Il m'a fait passer des prises de sang, plusieurs tests. Des tests pour les os, puis des tests pour le cœur. Puis à partir de là, il m'a rencontré, il a eu son diagnostic, il m'a prescrit mes médicaments, puis j'ai commencé. Ça fait 4 ans que... Puis je veux pas arrêter. Dans la démarche, là, finalement, de notre homme qui vient au bureau, son garde, il se présente à la clinique. La secrétaire lui remet en arrivant le questionnaire à dents. Est-ce que votre désir est correct? Est-ce que votre morale est bon? Vous êtes-vous plus triste de ce temps-là? L'autre question, avez-vous la mèche courte? Donc ça, c'est un bon gars au bureau. D'un coup, là, d'un coup, il est moins parlable à ce moment-là. L'autre, on va voir aussi l'homme, la testostérone a une action sur la taille. Un homme qui, mais ça, on le mesure moins, mais un homme qui mesurait, par exemple, 5 pieds 7, puis il est rendu à 5 pieds 6 à 55 ans. Donc, il y a comme la rapetissé. Ah, oui, absolument. Ça fait, mais c'est l'effet de la testostérone. On va aller voir aussi sur le rendement professionnel. L'homme qui a de la difficulté à ramasser ses idées, c'est plus long, il est plus fatigué, concentration plus difficile. Il va vous dire souvent, j'ai des troubles de mémoire, je commence une maladie d'Alzheimer. Il va vous consulter pour ça souvent parce qu'il oublie. Il oublie des choses aussi. On va retrouver aussi les hommes, évidemment, qui ont des troubles de la fonction érectile avec les baisses de testostérone en soi. Donc, un questionnaire bien répertorié qu'on fait remplir à nos hommes. On décide ensuite de l'investiguer. Donc, on va faire un examen physique complet, incluant le trou rectal. Et ça, je m'arrête un petit peu sur le trou rectal parce que les hommes n'aiment pas ça. Et j'ai des patients qui me comptent des histoires drôles où j'oublie le trou rectal. Quand ils viennent vous voir, ils vous regardent la grosseur des doigts. Il y a tout un mythe autour du trou rectal. Les hommes n'aiment pas ça. Regardez la grosseur du médecin. Ah non, ça, moi, en tout cas, ça n'a pas été... Ça a pris... 2 minutes, puis c'est vraiment rapide. J'ai aucune douleur. C'est pas pire que de rentrer un suppositoire dans le rectum. C'est la même chose. Pour le toucher rectal, j'ai l'impression que la plupart des hommes, bien, premièrement, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué d'avoir ce genre d'examen-là. Donc, je pense que c'est surtout ça qui rend mal à l'aise aussi les hommes face à ça. Le côté aussi association, côté sexuel, toucher sexuel, tout ça, je pense que ça rend mal à l'aise. Tandis que c'est juste un geste médical, c'est ça, aucun rapport avec la sexualité. Je crois beaucoup à la prévention. Moi, sur le côté de ma mère, sont 11 enfants. Et ma mère est vivante, elle a 90 ans. Et les autres sont tous morts. Ils sont tous morts d'un cancer. J'ai ma sœur qui est présentement en traitement de chimiothérapie. J'ai un autre de mes sœurs qui a eu cancer du sein et qui s'en est sorti. Donc, j'ai de l'historique alentour de moi puis des amis là, qui ont eu des problèmes de cancer. Donc, moi, je me dis, que ce soit de toucher rectal ou d'autres choses, là, écoutez, la prévention a son importance. De toute façon, nous autres, c'est le protocole. Pas d'hormones, pas de toucher rectal. C'est aussi simple que ça. Le trou rectal, là, c'est, on va voir la prostate. La prostate, là, c'est comme une noix de Grenoble, la grosseur d'une noix de Grenoble. Puis il y a un petit sillon dans le milieu. Et là, on cherche les nodules. On cherche s'il y a une bosse. On va voir si c'est plus induré. Donc, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous faire penser à un cancer qui est déjà présent avant de donner des hormones? Quand le diagnostic tombe d'andropause, mais là, la question qui vient tout de suite, est-ce que, on vous suggère des hormones, mais est-ce que ces hormones-là vont donner le cancer? Les hormones ne donneront jamais un cancer de la prostate. Un homme qui a un cancer de la prostate actif, non, il n'en est pas question. Mais un homme qui en a eu, qui sont considérés comme guéris, peuvent recevoir la testostérone sous surveillance. On a des études qui ont démontré aussi qu'on a donné de la testostérone pendant des années à des hommes. Et là, on a regardé le taux d'apparition du cancer de la prostate. Il n'y en avait pas plus que dans la population à côté qui n'en recevait pas. On a pris des hommes, certains qui avaient le cancer, d'autres qui ne l'avaient pas. On a donné de la testostérone aux deux et ils n'ont pas évolué plus vite les uns que les autres. J'ai un beau-frère qui n'en prend pas d'hormones, puis il a eu le cancer de la prostate. Ça a changé de quoi dans sa vie? Si je l'avoir, je l'aurai. Le cancer de la prostate, ça me fait pas vraiment peur parce que je me dis que sans testostérone, je serai encore plus malade. Donc, pour l'instant, non, ça me fait pas vraiment peur. Donc, en autant qu'il y a un suivi, puis qu'on vérifie à mesure là, qu'est-ce qui se passe. Toutes les études épidémiologiques, en fait, montrent que les hommes qui ont un meilleur taux de testostérone, en général, sont en meilleure santé. Ils ont moins de cancer de prostate, ils ont moins de problèmes cardiovasculaires, ils font moins d'ostéoporose. Donc, c'est associé plus à un effet de bonne santé d'avoir un beau taux de testostérone.
La testostérone, en effet, sur les os. Donc, un peu comme les femmes sur l'ostéoporose avec les estrogènes, mais la testostérone chez les hommes, on va retrouver des hommes qui ont de l'ostéoporose et dont la testostérone est plus basse. Ça peut faire aussi, en théorie, baisser un peu la pression puis améliorer un petit peu le bon cholestérol. Il y a quand même quelques études qui ont montré que chez une personne diabétique dont la testostérone est suffisamment basse, le fait de donner de la testostérone pouvait améliorer le contrôle du diabète. On s'est aperçu que 30 % des diabétiques avaient une testostérone basse. 25 % des hommes qui ont fait un infarctus avaient une testostérone basse. Donc, tranquillement, on voit qu'il y a un lien entre le niveau de testostérone, l'obésité abdominale, qui est un facteur de risque cardiovasculaire important. Donc, on voit que tranquillement, on arrive sur cette prévention et ça peut devenir peut-être l'aspirine des années 2020. Les commandes qui partent du système nerveux, hypothalamus, hypophyse, testicule, il y a un retour aussi qui se fait testicule, qui envoie son signal, hypophyse, hypothalamus, système nerveux, et la roue est partie. Alors, cette roue-là est déréglée, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement au niveau sexuel qu'il y a un problème, mais qu'il y en a partout, parce que la testostérone, elle agit au niveau des reins pour maintenir nos globules rouges, elle agit au niveau du cognitif, au niveau du système nerveux. Alors, on a le problème de la mémoire à court terme, on a les problèmes de concentration. Quand on manque pas mal de testostérone, on a quand même de la misère à réfléchir. C'est un des symptômes potentiels. Donc, ça peut passer des fois pour une démence légère, comme la démence d'Alzheimer. Donc, je vous dirais, avant de faire un diagnostic de démence chez quelqu'un, surtout si c'est léger à son début, il faudrait quand même s'assurer qu'il n'y a pas un manque de testostérone. Le démon du midi, c'est une des manifestations de l'andropause. Le démon du midi, c'est une des manifestations de l'andropause. L'andropause, non acceptée chez l'homme, l'homme qui n'accepte pas de vieillir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se raccroche à sa jeunesse et il va rechercher la jeune femme. Ça se passe pas à 20 ans, ça se passe pas à 30 ans. Ça se passe au moment où l'homme commence à sentir sa libido diminuer. Et surtout les hommes qui ont associé leur virilité à leur performance génitale, à ce moment-là, vont quelque peu paniquer et vont chercher des façons de restimuler leur libido pour continuer d'être performants. Il y a un lien, puis il y a un lien très intéressant à faire là-dedans, parce que le démon du midi, dans le fond, c'est cet homme qui, 40, 45 ans, qui se pose des questions sur sa vie sexuelle, qui se dit, ben peut-être que, est-ce que je suis encore séduisant, je peux-tu encore séduire une femme, et ainsi de suite, puis il se dit, c'est peut-être mes dernières chances avant d'attendre le vieillissement. Et ça, c'est cet homme-là qui, de temps en temps, a eu des ratés avec sa conjointe, soit de sa fonction érectile, soit sous le désir, et qui veut tester ailleurs. Donc, il y a comme cette ambivalence. Quand je vous disais tantôt, l'homme en andropause, il est un peu il essaye de se comprendre, maudites hormones, comme on disait, là, mais c'était un peu dans ce sens-là. Il essaye de se replacer. Donc, à un moment donné, il va tout simplement se dire, ben, je succombe, j'essaie de trouver une femme plus jeune, voir si je suis encore bon, et ainsi de suite. Plus le désir est fort, plus ça marche. Alors, c'est sûr que le gars de 50 ans qui arrive avec sa petite jeune de 30 ans, ah, pas de problème, c'était numéro un. Ça va durer 2-3 mois. Quand le piquant de la nouveauté va disparaître, il va se retrouver comme avant. Au niveau biochimique, quand je tombe en amour avec quelqu'un, mon cerveau se met à produire en quantité industrielle de la dopamine, de l'ocytocine et de la phénylétinamine qui fait que je flotte. Je suis drogué. Je suis en amour, je suis drogué. Mais, comme avec toute drogue, ça finit par faire moins effet. Les sensations sont moins fortes. La plus belle femme au monde va finir par devenir ordinaire dans mon lit. Donc, je vais chercher quoi? Je vais chercher d'autres femmes. Je vais imaginer d'autres choses sur d'autres femmes. Mais c'est pas tous les hommes qui vieillissent qui vivent le démon du midi. Les hommes qui acceptent bien leur andropause, les hommes qui vieillissent bien, qui acceptent qu'à 50 ans, à 60 ans, on ne soit pas aussi performant qu'à 20 ou 30 ans, à ce moment-là, peuvent découvrir toute une nouvelle sexualité qui est beaucoup plus sensuelle. Dans ce sens-là, je vous dirais que l'homme qui vieillit bien, qu'il se féminise.
dans le sens que sa sexualité génitale devient moins tyrannique et qu'il est plus sensible à la dimension psycho-émotive, psycho-relationnelle. Il y a beaucoup d'hommes qui vont accepter de vieillir, qui vont continuer de voir que la jeune femme de 25 ans est beaucoup plus sexuellement attirante. Ça, c'est leur cerveau animal, leur cerveau émotif. Mais leur cerveau éthique dit, ben non, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans que j'investis avec ma partenaire. Nous avons construit un patrimoine, nous avons construit une famille. Et, je le répète, l'amour, c'est une décision. Je décide de continuer d'investir avec cette partenaire-là, à la condition, évidemment, que la relation soit agréable, soit épanouissante. Alors, malheureusement, d'après nos chiffres, à peine 15 à 20 % des couples sont heureux à très long terme. La relation avec ma femme est différente de ce qu'on a vécu à 30 ans ou à 40 ans. Mais c'est tout aussi intense au niveau tendresse, qualité de vie est aussi importante. Les moments ensemble sont importants. Ça n'a pas changé. C'est sûr que les relations sexuelles, même, ça dure moins longtemps que ça durait. Ou bien c'est plus long que ça prenait. Ça dépend des jours. Mais c'est pas important pour moi. Je pense que dans notre couple, ça l'est. On a parlé, on a réglé notre problème, puis je pense pas que ça soit une priorité. Le nombre de fois que vous avez une relation sexuelle, peut-être que ça va résulter. Puis à un moment donné, il y en a un qui va dire oh, une fois par semaine, puis après ça, une fois par deux semaines. Une fois par mois, là, ben, ça commence à faire longtemps. Là. Je dois être anormal. Tu découvres que tu es en perte de tes capacités. Puis ça t'énerve pas, mais tu n'as pas l'appétit sexuel comme tu devrais l'avoir. Tu ne valorises pas sur ce plan-là. Et puis, donc, ton partenaire ou ta partenaire, dépendant si tu es une femme ou un homme, subit la situation aussi. Alors, ça détériore une relation tranquillement. C'est sournois. C'est très sournois. On a toujours pensé que l'apparition de l'andropause, c'était graduel, que ça pouvait s'échelonner sur plusieurs années. Or, en rétrospective avec certains patients, lorsqu'on regardait l'apparition des symptômes, on pouvait remonter à peu près à un an et demi où les premiers symptômes étaient apparus jusqu'à temps que ça devienne intolérable. Et chez probablement plusieurs hommes, ça peut arriver et apparaître relativement brusquement à l'intérieur d'un an. Une situation sournoise comme celle que j'ai vécue, comme subite dans un an, c'était subi. Moi, c'est arrivé un peu plus vite puis un peu plus soudain aussi, là. Les symptômes sont apparus graduellement, mais en dedans, c'est ça, en dedans qu'à peu près 4 mois. Un peu comme chez la femme, les hormones féminines, il y a vraiment un parallèle. Et un jour, les hommes se rendent compte qu'une diminution de leur testostérone, eux le sentent dans leur corps. La faiblesse au niveau du diagnostic de l'andropause relève finalement qu'on demande d'établir un diagnostic pour confirmer une baisse de testostérone totale. Et je dis bien testostérone totale tout simplement parce que je crois que c'est là un des problèmes. 90 à 92 % des hommes ont une testostérone totale normale. Malgré ça, il y a beaucoup d'hommes avec un taux de testostérone totale normal qui présentent des symptômes d'andropause. Et c'est ces hommes-là que, actuellement, dans l'approche classique, on les échappe. Et on échappe proche 50 % des hommes qui devraient avoir un diagnostic d'andropause. On devrait corriger cette approche-là pour parler de la testostérone biodisponible, l'hormone testostérone qui est capable de se rendre au tissu.
La testostérone totale, c'est celle, en fait, qui est produite par les testicules. C'est toute la testostérone qui est produite, mais il y en a une partie de ça, de cette testostérone-là, qui va agir dans les tissus. Donc, c'est cette portion-là qu'on appelle biodisponible qu'il faut mesurer. Malheureusement, la testostérone biodisponible n'est pas faite de façon routinière actuellement, ce qui fait qu'on manque beaucoup d'hommes au diagnostic d'andropause. La deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup d'hommes ne correspondent pas au diagnostic d'andropause, ni par la testostérone totale, ni par la testostérone biodisponible. Certains hommes insistaient pour que je les traite, surtout les hommes qui étaient un petit peu limite là, des critères pour l'andropause. Et à ma grande surprise, beaucoup, beaucoup d'hommes étaient grandement aidés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je mets le concept de pré-andropause, comme de préménopause. C'est sûr que quand je regarde les hommes qui sont bien autour de 18-20 nanomoles, puis qu'on considère qu'il faut être en bas de 10 nanomoles, puis en plus avoir une biodisponible en bas d'une valeur qui est très basse, 2,3 nanomoles par litre. Donc, beaucoup d'hommes arrivent dans mon bureau avec beaucoup de symptômes. Puis, si on se fie à ces critères-là, on ne les traite pas. Alors, ils sortent du bureau, puis avec leurs symptômes, puis personne ne rapporte de réponse. Moi, je trouve ça scandaleux. Il va falloir pousser beaucoup plus les recherches pour redéfinir c'est quoi l'andropause, la pré-andropause, et regarder, si on veut, toute la médecine préventive en traitant précocement les hommes. L'androgène, c'est connu, hein? Mon pharmacien ici, quand je suis arrivé, il en avait ces tablettes-là. Il a pas acheté ça pour moi, là. L'androgel, c'est en tube. Une fois le matin, après la douche, là, juste un push, puis on le met sur les bras. Puis c'est tout simplement ça. Ça prend une fraction de seconde, suite après la douche, là, parce que si vous rentrez dans la douche après, c'est fini. Ça se fait très bien, puis ça se fait avec la routine. Là, se fait la barbe le matin, on rentre dans la douche, lave les dents, un morceau, une push d'androgel, puis c'est fini. Et voici les formes. Il y a des comprimés. Il y a des gels. Le gel, on peut le retrouver en pompe. Il y a des timbres. Et il y a de l'injectable. J'ai pris des comprimés de testostérone et ça a vraiment changé ma vie. Je m'en passerai pas. Accroissement du libido, dormir 8 heures chaque jour et avoir de l'énergie pour jouer deux parties de hockey une après l'autre. Et en plus, m'occuper de 3 ou 4 différentes situations difficiles. J'ai un fils handicapé, par exemple. Donnez-moi-en des problèmes, je suis habitué. Le premier traitement que j'ai eu, on a commencé un traitement avec des gélules. J'ai vu tout de suite une amélioration. J'ai aperçu que ma peau guérissait. En peu de temps, en une semaine, tous les symptômes sont pratiquement disparus. Sauf que je sentais aussi qu'il y avait des variations. Donc, ça bougeait beaucoup parce que dépendamment si je digérais bien ou pas la gélule, ben ça pouvait faire qu'il y a des journées que j'étais mieux que d'autres. Puis pour moi, ben comme j'étais inquiet pour ma peau, je voulais pas avoir de gel ni de teint. Puis l'autre solution, c'était l'injection. Pour ceux qui ont peur d'avaler du chimique, là, moi, je leur dis non. Moi, j'ai des hormones bioidentiques, donc les hormones qui ont la même formule chimique que leurs propres hormones. Donc, c'est comme la vitamine D. La vitamine D, c'est une hormone, puis on la prend. Puis personne ne va dire, bien, je prends du chimique. On prend de la vitamine D, même si elle est faite en laboratoire. Quand je donne des hormones bioidentiques, c'est des hormones qui ont la même formule chimique que nos hormones. Elles se comportent de la même façon. Donc, c'est une hormonothérapie qui est tout à fait en respect avec le corps humain. C'est une hormonothérapie qu'on pourrait qualifier à quelque part de naturelle, en fin de compte. Évidemment, c'est produit en laboratoire, mais la formule chimique, là, la molécule, c'est la même chose. L'organisme ne peut pas faire la différence. Ce n'est pas une substance chimique qui va mimer la testostérone. Non, c'est de la testostérone. Quand t'as mal à la tête, tu prends des aspirines ou des atassol ou des Tylenol. Ben, moi, j'ai pas mal à la tête. Mon corps produit plus d'hormones. Ben, je prends des hormones. Je vous dirai ce que je fais maintenant, comment je file maintenant physiquement, comparativement à ce que j'avais à 58 ans. C'est le jour et la nuit. Le traitement de l'andropause revient à l'homme. Notre travail en tant que médecin, c'est de lui expliquer ce qui se passe, de lui expliquer les possibilités, lui expliquer qu'est-ce que les traitements vont donner. On peut leur dire, écoutez, essayez-le 3 mois.
On se revoit dans 3 mois. Si ça marche pas, si c'est pas votre goût, on arrête tout, pas pires amis, puis c'est comme ça. Et souvent, par ce qu'on appelle l'essai thérapeutique de 3 mois, les hommes vont en arriver à dire oui, franchement, là, ouais. Seul conseil que je pourrais dire aux hommes qui se sentiraient comme ça, perte de libido, fatigue, des bouffées de chaleur de temps en temps, allez, parlez-en là, au niveau de l'androgène. Là. Puis c'est connu, hein? Mon pharmacien ici, quand je suis arrivé, il en avait ces tablettes. Là. Il a pas acheté ça pour moi. Là. L'androgène, pour moi, là, ça m'a donné une qualité de vie. Je me sens mieux, je me sens en forme. C'est sûr qu'en entour de tout ça, il y a mon alimentation que je fais attention, je fais plus de sport, on est plus actif, mais beaucoup moins fatigué, beaucoup moins irritable. Heureux dans ma peau. Pour ce qui est de moi, il n'y a pas question que j'arrête de prendre des hormones tant et aussi longtemps que le médecin va m'en prescrire, qu'il va être capable de me dire qu'il n'y a pas de complications. J'hésite pas de le prendre parce que j'en ai besoin. Puis c'est comme n'importe quel supplément, même des vitamines. Si t'en prends trop, c'est pas bon non plus. Donc, je pense que la testostérone, on devrait en prendre quand on en a besoin. Normalement, si le taux de testostérone est diminué, les suppléments de testostérone, normalement, c'est à vie. Personnellement, moi, je suis sous hormonothérapie depuis une quinzaine d'années. J'ai essayé à quelques reprises de l'arrêter, puis non, ça n'a pas marché. Au bout de quelques jours, là, j'ai fallu reprendre. Et avec ça, ça va très bien. L'humeur, pas de bouffée de chaleur, au point de vue force musculaire, tonus musculaire, la drive, le goût de faire des choses. Je ne prends pas de testostérone actuellement. Non, je ne prends pas de testostérone. Mais si j'avais, peu importe l'âge, des symptômes qui pourraient être compatibles avec un manque de testostérone, ce que je ferais, c'est que je vérifierais mon taux de testostérone, carrément. Et s'il était bas, suffisamment bas, ben à ce moment-là, oui, j'aurais aucune hésitation à prendre la testostérone en remplacement, vu les bienfaits. Je prends de l'hormonothérapie depuis le mois de septembre et je passe au mois de décembre un test pour vérifier si ce taux-là a augmenté ou non. S'il n'a pas augmenté, ben on va probablement augmenter la dose. Je prends de la testostérone depuis maintenant 3 ans. La plupart des hommes n'y croient pas qu'ils sont en andropause. Jusqu'à temps que l'évidence devienne une évidence même. C'est beau! C'est beau! C'est le plaisir qui nous tient en vie. Plus on va avoir de plaisir, puis pas juste du plaisir sensuel, pas juste du plaisir émotif, du plaisir aussi conscient, à ce moment-là, plus j'aime vivre, plus je vais vivre longtemps et en meilleure santé. Et on sait très bien que les gens heureux, peu importe leur libido. Les gens heureux vivent 4 ans de plus en moyenne que les gens malheureux et sont 35 % moins souvent malades. Ça, on a plusieurs études qui nous démontrent ça. On parle beaucoup de garder les gens âgés au travail puis d'augmenter les retraites. Je pense que si nos hommes étaient traités là-dessus, étaient au moins évalués, dépistés et qu'ils étaient plus productifs, plus agréables, je pense que la société s'en porterait mieux et ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. On voit qu'il y a beaucoup de réticence côté de l'andropause parce que ça correspond finalement à une nouvelle conception de l'homme vieillissant qu'il faut ajuster avec les faits scientifiques. On ne définit pas l'homme par sa testostérone comme on ne définit pas la femme par son taux d'estradiol. On est d'abord des êtres humains. Les mentalités, ce n'est pas encore changé. Donc, on a encore, cette génération-là, on a encore des vieilles mentalités. Sauf que les jeunes deviennent de plus en plus au courant, deviennent de plus en plus ouverts. Puis, dépendamment, plus on en parle, plus les gens sont ouverts, plus ils connaissent aussi que ça existe. Puis les tabous vont finir par tomber aussi à un moment donné à force d'en parler. On dit des hormones, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on se comprend plus. Puis là, à un moment donné, on arrive, on dit, c'est maudit des hormones. C'est ce que je reçois du cœur des gens dans le bureau. Ça correspond à monsieur, madame, tout le monde qui dit, là, les maudites hormones, règle-moi ça. Les maudites hormones, en fait, les hormones, c'est quelque chose d'assez vague. Hein? C'est très difficile à comprendre. Ça a plein d'effets sur notre corps dont on ne suspecte même pas les effets que ça peut nous faire. Puis même quand on est dans le domaine, on est un expert de ça, on en comprend plus, mais on comprend pas tout. Même s'ils sont en quantité infime, ils ont une puissance d'action énorme. Et ils peuvent corriger beaucoup de choses.
Et il ne faut pas avoir peur des hormones. Ça, c'est définitif. Thank you.